Maintenant, je préfère cuisiner les pâtes. Vocation, je suis rentré dans l'immobilier d'entreprise en 2003, j'y suis toujours et je suis passionné par ce que je fais, donc c'est une vraie vocation. Alors le côté gourmand dirait Paris-Brest, mais Paris-Lille, après 18 ans de vie à Paris, le Paris-Lille était nécessaire l'année dernière. Alors, first deal, je m'en souviens plus, pour être très honnête. Et last deal, il date d'hier. Donc, ça, je m'en souviens bien. Et ça serait une belle référence de transaction sur le marché Lillo. La confrérie, c'est quelque chose qu'on a développé avec Yanis sur Paris. L'idée étant de faire du networking avec des confrères et beaucoup d'intercabinets. Alors, les échos, la semaine, tous les jours, et la Voix du Nord, ici, c'est très important, et les potins, le week-end ou pendant les vacances. Alors, club, j'ai prévu de me mettre au golf, je suis dans une famille de golfeurs, et c'est un sport que je voudrais évidemment pratiquer dès la rentrée. Alors, online, je suis tous les jours sur LinkedIn pour suivre évidemment le monde de l'immobilier pour se nourrir et de temps en temps sur Instagram quand j'ai un peu de temps le week-end ou le soir. Sans hésiter, main verte, depuis que je suis rentré à Lille, j'ai découvert une vraie passion pour le jardinage et j'y passe beaucoup de temps. Alors plutôt la nouvelle architecture, avec ma femme on est passionné de décoration d'intérieur et d'architecture, donc c'est un de nos passe-temps. Alors j'ai envie de dire l'entre-deux, depuis que je suis arrivé à Lille et qu'on développe le bureau de Lille, j'ai la sensation d'être un étudiant en JLL parce que j'apprends tous les jours. Engagement, quand je suis rentré chez JLL il y a 5 ans, l'idée c'était de développer Lille et aujourd'hui on y est, donc c'est un vrai engagement réciproque.